Balthazar est béni. Et comme Paul avait, Pierre avait dit qu'il est délicieux, qu'il est bon. Il est vraiment délicieux. Je ressens beaucoup plus ce délice chez le pasteur Marcel Mako. Il est délicieux. Le Seigneur est tellement délicieux. Ah, c'est vrai. Il est tellement délicieux. Je me réjouis du nom de l'œuvre l'œuvre de Dieu. Mosala Yanzambe Moko. La maison est appelée la maison de Dieu. Donc il nous dit que c'est Dieu qui est le chef. Il y a dirigé tout. C'est lui qui dirige toutes choses. Il y a le Seigneur et Maître. Il y a l'incolompé. Élevé. Et celui qui doit être élevé, les grands dieux, Zambé Mouné. Non, il faut y avoir beaucoup mis en Zambé. Tu dois savoir où est le Seigneur Jésus. Amen. Tout ce coup, mais ça est beau. Vraiment, je résous de vos problèmes en quatre ans. Nous l'aimons parce qu'il résout des problèmes au milieu de nous. Et là, par exemple, ça dit ici, ma son mon ami. La première chose, c'est pardonner nos péchés. À Cambon, il y a un bon sur nous a délivré de toute servitude des ténèbres. Parce que tu glorifies à le Seigneur, parce qu'il a vaincu les péchés. Ils sont le coup, mais ça a vaincu la mort. À l'Ovali Soum ou à l'Ovali Wa. À Sali, ils sont solo, à sang. Et il nous a fait le sang. Il faut y voir qu'on loue. Ce qu'on a dit, on dit qu'il est long à Christ. Si tu vis la victoire de Christ, et l'homme a baissé l'église. La victoire qu'il a donnée à son église. Tu sens dans ton cœur les délices et la joie des choses de Dieu. Il faut le louer. Parce que notre personne trouve les délices dans d'autres choses. Mais il y a une grâce. Mais le Seigneur t'a accordé la grâce. Lorsque tu vois les temps du culte arriver, tu sens l'empressement de monter dans le culte. Que je puisse monter au culte. On a qui veut la parole. Et j'ai écouté la parole de Dieu. Non, c'était une grâce. Les amis pour nous. C'était une grâce, vraiment. Les amis pour nous, pétard. Il faut louer le Seigneur à cause de cela. Asaph à l'Obaki. Comme Asaph avait dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Donc, pour ça, la libosonne, ça fait ça, pour l'âme, pour l'âme. Pour l'âme, mais ça, pour ça, la bébé, la dame. Notre bien, c'est de nous approcher de Dieu. Et le bon enfant, il y a un caca, il y a un catinal. Tu dois ressentir cette chose dans ton cœur. Au sentir qu'à l'irritation contre les mâles, aux hôtels de l'animal. Au tombeau qui l'a mappé dans mon témoin. Aux eaux qu'on louait la parole. Et tu loues la parole de Dieu. C'est cette nature-là, les avons la voix dans le Saint-Esprit. Et c'est ça la nature de celui qui a le Saint-Esprit. Voix dans le Saint-Esprit a loué non un homme, mais Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit ne louera pas un mortel, mais Dieu. A pour élever le Seigneur. A pour tomber la colo. A pour le voir que je diminue que Christ accroître. A qui t'a pris que Christ a tombé à ma colère. Et c'est ça notre délice, Jésus-Christ. Naomi saka bandeko moko nazongela yango pe mbala moko ebele parfois. Je dis toujours à certains frères et je les répète à tout moment. Soko sepeli osala bon nayo. Si ça te plaît de faire ton église, ton église à toi. A ton moni na milieu wana à ta frère moko ta semblé de saza. Même si tu constates que dans ce milieu il n'y a aucun frère de l'église de saza. Osala besoin osala. Et donc, selon vision et aïe. Et que tu as besoin de faire une œuvre selon ta vision. Qu'on risque de comment Église de Saint. Il ne faut pas risquer d'écrire Église de Saint ou Assemblée de Saint. Parce que nous allons venir là. Donc, ne fais qu'à ta commis. Le fait que tu as, ce n'est pas écrit sur le mur. Mon saint, mon comment elle sera arrivée là. Soposoté à ma camouille, ça si tu prêches des choses qui ne sont pas correctes, c'est seulement lui qui va te prendre à la vie. Les choses que tu as dites ne sont pas conformes. Tu vois le voir vraiment s'irriter. Attends, t'as qui m'a battu. Tu dis que c'est moi qui avais commencé. C'est moi le propriétaire de la mort.
de saints, l'assemblée de saints. L'assemblée de saints est la sainte. L'assemblée de saints appartient au sang. Là, pour défendre la parole. Et là, on va défendre la parole de Dieu. Dieu comment la paix pour faire. Jusqu'à ce qu'on va même te faire asseoir. Mais ce qui dit nous sommes dans les carrières communes, la vision du ciel. Et si un saint passé dit, le monde se gamma pour nous. C'est ta vision à toi. Sauf qu'on dit que c'est l'ensemble des saints. Mais si tu dis que c'est l'ensemble des saints, c'est là ma sainte. Attends-toi à la venue des saints à cet endroit. À beaucoup. Ils vont arriver là. Il y a bon zambé vraiment dans ma wana, il y a ces pays qui ont pu servir son parole. C'est pourquoi le Seigneur, par sa miséricorde, il lui a pris de nous donner la parole. Bon, pour élever son nom grand. Enfin, d'élever son grand nom. Pour élever son nom puissant. Pour tout pour la condoléance en Guyane. Mon centre, il y a solo à Bangaka, l'Ikomi. Un vrai saint a toujours les esprits. Quand tu vois quelqu'un têtu devant les esprits, il faut bien le vérifier. Parfois, il est infiltré. Regarde, ça dit, toi, à côté, à sa on sent que ce qui nous commis est reproché, il y a qui t'a ta vraie. Lorsque l'écriture reproche un saint, il se rabaisse. Comme ceux qui veulent dire qu'il est écrit comme ça. Même si c'est comment il boit. Avant la même bagarre, on a été. Il ne va pas regarder ses gars qui t'étaient en il va se rabaisser comme un enfant, monsieur. C'est ça, mon centre. Il y a mon de mon centre. Et cette nature, ils en attirent pour la pierre. Nous les gars, les gars, pour la pierre, Thomas. Même David a dit l'ensemble de ses parce qu'Israël, c'est l'ensemble de ses frères. David a dit qu'il a dit ça, ma centre, il a dit ça. Si David a soigné ma vie, que Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Sur la terre. Les âmes ont dit Abraham a été qui est à bas. Le Seigneur avait pris Abraham et l'a mise à bas. Les âmes et l'imboya mon sang. C'est le signe d'un saint. Une nation qui n'est pas comptée parmi les nations. L'ibote est à la mité na kati à ma pote à l'yon sur ma mêlée. C'est la grande assemblée de saints. Les âmes dit Sandra mon aîné à ma sang. Donc, essayez de comprendre d'abord que nous devrions d'abord comprendre. Dans l'église du Seigneur, dans cette église en col, c'est Christ qui règne. Les amis, Christ dans les amis Kokunza. La parole de Dieu domine. Et c'est la parole qui domine, rien que la parole. Voilà pourquoi notre modèle, ce sont les Écritures saintes, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi notre modèle, les amis Yubanzambe. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas prédicateur, il y a Liboso. C'est pourquoi vous allez constater que le premier prédicateur, dans l'église est bandit. Lorsque l'église a commencé à marcher, Jean, maintenant ce qui respecte la parole. Ils ont manifesté le respect à l'égard de la parole. Il y a beaucoup de dans le texte de l'Apocalypse 2. C'est pourquoi nous allons lire notre texte de l'Apocalypse 2. Dans 8, versets 5, 6 et 7. Le verset 5, 6 et 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. T'as qu'il a congolé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Et ça la réalité. Sinon, ce qui t'est, je viendrai à toi. La couillage pas une ailleurs. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci. Vous allez t'assigner au peuple païen. Ce que tu es les œuvres de Nicolas. Ils allaient te dire que tu es la Nicolas. Œuvre que j'ai aussi. Que celui qui a les oreilles. Mon Dieu a sali la matière. Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aïe, comme on lit mon centre aux églises à l'église. À celui qui vaincra. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Qui est dans les paradis de Dieu. Que Dieu bénisse ses lectures. Toujours avancer par la grâce de Dieu. Nous avançons par la grâce de Dieu. Toujours nous demandons au Seigneur par sa grâce de nous assister. Que déjà l'oubli par sa grâce, tout va aussi ça.
première église. Et que demain, par sa grâce, nous puissions achever avec la première église. Bon, nous assemblons le dimanche pour la deuxième église. Enfin, que le dimanche, nous entamions la deuxième église. Dans le verset 5e, au verset 5, nous autres, nous avons besoin de repentance. Nous montrons que le Seigneur a besoin de la repentance. Pour un peuple, pour son peuple. S'il y a quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu. Ce qui est allé dans le monde, c'est que nous avons dit que nous avons dit. Dans le langue, le verset 5e et le dit dans Apocalypse 2. On avait vu comment le verset 5 nous dit dans Apocalypse 2. Si la repentance est atteinte, ce qui est bon pour la beauté, mais ça dit qu'à Tiamat. Le Seigneur vient. Zambé Akouya. Azolongola Chambéry. Il viendra pour ôter son chandelier. Au moins, il tente toujours dans l'Apocalypse chapitre 1er. Vous voyez, en regardant l'Apocalypse chapitre 1er, dans verset 21, au verset 20, nous disons au nom de Jésus-Christ, Amen. Les mystères de cette étoile que tu as vu, l'ibombami yamito to samouyomoni, dans ma main droite, dans le bokou yamoubani, là dans le verset 20e, Apocalypse chapitre 1er, et les sept chandeliers d'or, et ibelomina samouyamoul, les sept chandeliers sont. Les sept étoiles sont les anges de cette église. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Avec ce passage, il y a Apocalypse, chapitre 1er, verset 21. Nama connu Apocalypse 1er, verset 20. Et au taille, c'est ce qui va présenter chaque église comme chandelier. Ici, on représente chaque église comme un chandelier. Mais comment le Seigneur s'adresse à une église où ils ont déjà chandelier? Mais comment le Seigneur s'adresse à une église qui est un chandelier? Alors, il y a Colombo la chandelier. Il dit qu'il viendra ôter son chandelier de sa place. Donc, ils ont confirmé, puisque c'est le bénévole. Le Seigneur nous confirme par ses langages qu'il y a un chandelier appelé l'église. Et qu'il y a un chandelier appelé l'église. Et ça va être un chandelier. Et ça va être un chandelier sous la carte. Ça d'abord, c'est une exhortation que le Seigneur a donnée. Ça, c'est une exhortation que le Seigneur adresse. Mais les véritables enfants de Dieu ne peuvent perdre jamais chandelier pour les enfants. Ils ne peuvent jamais perdre les chandeliers qui est au milieu d'eux. Ils vont toujours se rabaisser devant la parole de Dieu. Netomandai qui n'a pas expliqué les chandeliers pour les enfants, les chandeliers appelé l'église. On avait commencé à expliquer les chandeliers dans le chandelier qui est l'église. Parce qu'il y a quatre chandeliers qui sont les enfants, sept lampes. Parce que les chandeliers comptent ou enferment sept lampes. Dans le livre de Tamboraki, dans la manière dont nous avions marché, totalise qui d'abord dans l'Apocalypse chapitre 1er. On avait montré dans l'Apocalypse chapitre 1er, dans le verset 4, au verset 4, la façon dont Jean a présenté le Seigneur. La façon dont Jean présente le Seigneur Jésus. Azotalis a d'abord Jean pour cette église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était et qui vient. Et de la part de sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime. Qui nous a délivré de nos péchés par son temps. Le frère Jean, ici le frère Jean, qui Apocalypse, qui avait reçu la révélation, il montre que les sept églises, elles ont soit grâce, reçoivent la grâce, qu'on donne sept esprits au hasard. De la part de cet esprit de Dieu devant le trône. Et les autres aussi, et pas il y a témoin fidèle. Et aussi de la part du témoin fidèle. N'a soulevé qu'il n'a un témoin fidèle. J'avais soulevé d'abord le point sur le témoin fidèle. Parce que le témoin fidèle, oui, t'es dit
à cette église. C'est lui qui donne la grâce à cette église. Alors, il dit qu'il y a Jean 3. Et cela m'avait poussé à prendre Jean chapitre 3. Verset 11. Le verset 11. On a Jésus à ceux de Nicodème. Là-bas, Jésus s'adresse à Nicodème. Nous disons ce que nous sommes. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. On avait montré que c'est nous là. Ce sont les prophètes. Et ça dit pas Jésus-Christ n'a qu'à dire nous. Y compris lui-même Jésus-Christ est dans donc, prophète a un témoin. Donc un prophète c'est un témoin. Et total Isaki. Et on avait encore montré que Jean total Isaki. Jean est en train de montrer ceci. Les sept églises, il faut ézoa grâce ézoa dans un témoin fidèle. Et les sept églises doivent recevoir la grâce provenant du témoin fidèle. En parlant Jean zone d'immisama. Et par là Jean est convaincu que les prophètes de ces sept églises. Moussakoli avec les gens en sang. Parce que nous savons que la grâce c'est tout un enseignement. Et nous savons que nous avons dit que nous dans Tite chapitre 2, selon Tite chapitre 2, à partir du verset 11, à partir du verset 10 et 11, la grâce source de salut pour tous les hommes. Enseigne. Et ça dit que nous avons la grâce enseigne. Maintenant, nous avons la grâce pour vous. Maintenant, qui apporte la grâce pour les sept églises? Le témoin fidèle. Ils allaient t'engager qui a sème. Donc, par là, tous vous comprenez que les prophètes dans l'église d'Éphèse, c'est les témoins fidèles. Et là, nous comprenons que les prophètes dans l'église d'Éphèse, c'est les témoins fidèles. Nasmir. Asmir, c'est les témoins fidèles. Ils allaient t'engager qui a sème. Napenda. Napenda. C'est les témoins fidèles. C'est toujours lui. Ok, Natiati. Et même Natiati. C'est les témoins fidèles. Ils allaient t'engager qui a sème. Nassa. Nassa. C'est les témoins fidèles. C'est toujours ce même témoin. Ok, Naphilalifi. Naphilalifi. C'est les témoins. Fidèles. C'est toujours le témoin fidèle. Quel à la Odyssée, la... c'est toujours le témoin fidèle. C'est toujours lui le témoin fidèle. Parce qu'il est à se répandre grâce pour les sept. Et c'est parce que c'est lui qui répand la grâce pour les sept églises. Total, il sait que fidélité dans Hébreux 3. On avait parlé de la fidélité dans Hébreux 3. Dans verset 2. Au verset 2. Tolobaki d'abord, Moïse. On avait dit ceci. Moïse a l'obaki dans Deutéronome 18. Le verset 15. Oui, ça avait dit dans Deutéronome 18, le verset 15. Dieu vous suscitera parmi les frères un prophète comme moi. Ça veut dire que tout le monde a dit que ça va être commis par les mots symboliques pour le coup. Donc Moïse attend l'avenir. Donc Moïse a regardé l'avenir. La taille à sa taille. À Monica Moutoumon. Il n'a vu qu'un seul homme. Comme lui. Le colaillé. Et c'est pourquoi, et en Goana, au commun avec Hébreux 3, vous allez remarquer que dans les œuvres, et tel ça aussi, Moïse était fidèle. Moïse à Zala qui s'aime. Or, étant prophète, vous allez symbolique, fidèle, ou à Zala qui s'aime. Donc, Moïse, l'ancienne alliance, Zala comme témoin fidèle. Moïse, la Boyotani à Kalazali, au cours la Tengene qui a s'aime. Mais dans la nouvelle alliance, la Boyotani à Sita, c'est Oyo Moïse à Zala qui un prophète comme lui a dit. C'est lui à qui Moïse avait annoncé un prophète comme lui. Et total, qui le verset 2e, il y a Hébreux 3. On avait lu le verset 2 d'Hébreux 3. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fit Moïse dans toute sa maison. Le verset 5. Le verset 5. Pour Moïse. Pour la Moïse. Toujours à Hébreux 3. Il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur. Pour rendre témoignage. De ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est. Comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, ils ont dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions.
Azo présente Christ fidèle, Moïse fidèle. Il présente Christ et Moïse comme fidèle. Là, et ça uniquement pour saisir témoin fidèle. Là, c'est uniquement pour comprendre ce qui est le témoin fidèle. Et puis, total ça qui aussi, on avait aussi montré la grâce des œuvres dans cette église corrompue de la part des sept esprits qui sont devant son trône. La grâce vient dans cette église de la part des sept esprits devant le trône de Dieu. On va dire qu'une écriture, elle aura toujours l'explication dans une autre écriture toujours sainte. L'Igomi Moko et Bibola Makana, l'Igomi Moussoutaka la Biblia. Total qui verset 5e et Apocalypse 4. On avait vu le verset 5 d'Apocalypse 4. Et puis, on va voir aussi Apocalypse 5. Nous lirons aussi Apocalypse 5. Dans verset 6e. Et le verset 6e. Mais total, il y a verset 5 et Apocalypse 4. Lisons d'abord le verset 5 d'Apocalypse 4. Nous lisons au nom de Jésus. Du trône sortent des éclairs. Des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent sept lampes ardentes. Qui sont les sept esprits de Dieu? On a appelé les sept esprits de Dieu. Verset 4 d'Apocalypse chapitre 1er. Que nous venons de voir au verset 4 d'Apocalypse chapitre 1er. Sept lampes. Ici on a appelé ces sept esprits les sept lampes. Tantôt qu'il y a l'Apocalypse 5. Lorsque nous nous sommes rendus à l'Apocalypse 5. Dans verset 6. Au verset 6. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme Imoli. Il avait sept cornes. Et il avait sept cornes. Pour parler de la puissance de l'autorité. Parce que corne est un salatour d'une royauté. Et ces dieux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc ces sept lampes sillonnent la terre. Et ça dit que c'est ce qui toujours remarqué. Et c'est ce que nous remarquons. Mais pour te comprendre, nous faisons toujours des écritures. Mais pour le comprendre, nous devons toujours prendre les écritures. Pour le cas qui lampe dans la Bible. On avait cherché moins dans la Bible. Pourtant, qui Matthieu 6. On avait lu Matthieu chapitre 6. En verset 22. Au verset 22. On a Jésus-Christ. Là-bas, Jésus-Christ. A une description l'air. Nous avons l'isso et l'antique. Ils ont dit moins d'autres. Maintenant, nous avons eu l'explication à lampe. Maintenant, quand nous avons pris l'explication de la lampe, et l'Igota, il sera aussi l'œil, qui veut aussi parler de l'œil. Tantôt, il y en a Zacharie 3. On a là dans Zacharie chapitre 3. En verset 9. Au verset 9. Qu'on a tout moni une pierre. Là-bas, tout le monde lui parle à mon corps. Et ça n'a c'est Dieu. Oui, ça n'a pas mis sur son mot. Donc, c'est Dieu. A mis sur un sambo. Et ça, c'est là. Et ça n'a pas mis la paix sans mot. Bon ami, tout dit que vous êtes déjà dans Matthieu 6. Parce que nous venons déjà de Matthieu, chapitre 6. Verset 22. Le verset 22. L'œil et la lampe. L'isso et ça n'a pas mis. Il faut évoquer. Tu dois savoir. Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Le verset 105, il dit, ta parole est une lampe. L'Ilobanaïe, ça dit, Mouinda. Que Dieu te bénisse. Amen. La parole est une lampe. L'Ilobé, ça dit, Mouinda. Et sauf que l'Hébreu 4, il dit que tout est à lui devant la parole. Et dans l'Hébreu 4, il dit, Nyon, so, et bon, maman, t'es à lui. Pour les cacher. À tel que la parole de Dieu, l'œil. Donc la parole de Dieu, c'est le véritable œil. Dieu bénisse. Ah, et donc, bon, on a la mission. Rien ne peut être caché aux yeux de la parole. Oui, oui. Donc, c'est que, dans Katinago, tout à l'ici, c'est que dans tout cela, on a montré, la lampe, c'est la parole aussi. Oui, dans les alipés, dit parce que, dans le psaume 147,
Parce que dans psaume 147, dans le verset 15, au verset 15, l'écriture, en cherchant dans la loi et dans les prophètes. Les choses de Dieu, les prêches, dans le cas, dans le pays, dans le cas de la Sabouille. C'est ça côté avec ma Pierre, ma Thaï, ma Paul. Et c'est ça enseigné comme l'ont fait les apôtres. Dans le psaume 147, nous prenons psaume 147. Parce que dans le total, Apocalypse 5, verset 6. Parce que lorsque nous avons vu Apocalypse 5, verset 6, on a atteint ici Bisson. Là-bas, on nous a montré que c'est cet esprit de Dieu qui les a envoyés dans toute la terre. Alors, nous montrons dans psaume 147, c'est dans psaume 147, dans verset 15. Au verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole, l'île court avec vitesse. Et qui m'a on le Saint-Esprit là, ils ont sillonné toute la terre. Vous voyez le Saint-Esprit, il nous a mis au temps pour la Babylone. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Et la parole est une lampe. Le Bible dit Mouinda. Donc les sept lampes là, Mouinda, on a sancelé de la parole. Ils attaquent à l'île. Yahweh, les prophètes basalaka comme un signe. C'est pourquoi les prophètes sont comme des signes bilembo. Donc nous avons pas utiliser un nom. Donc le Seigneur peut utiliser un nom. Mais Azor Banatina Nayemo. Mais qui parle au sujet de lui-même l'éternel. On y a Saléli Moïse. Vous pouvez le voir utiliser Moïse. Saléli Esaïe. Il utilise Esaïe. Saléli Jérémie. Il utilise Jérémie. Mais Azor Banatina Nayemo. Mais il parle au sujet de lui-même l'éternel. Ce sont des signes. Basali Bilembo. Et ça, le nom de Salé, Zorobabel. C'est comme par exemple, tu le vois utiliser Zorobabel. Zorobabel, c'est un signe de l'Éternel. Éternel. Mais Zorobabel, c'est le signe de lui-même, l'éternel Dieu. Au moment où Zorobabel a outil dans Juda. Zorobabel provenait de la tribu de Juda. Zorobabel, 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 on parle au sujet de lui. Tant Israël a délivré la captivité. Lorsque Israël est délivré de la servitude, à Outi Babylone, en provenance de Babylone, à son terre. Et puis il rentre dans sa terre. Vous suivez attentivement. Maintenant, Zorobabel a un rôle moral pour ça. Maintenant, Zorobabel a un rôle à accomplir. À retourner à la maison. Il va rebâtir la maison de Dieu. Bible le dit. La Bible dit. Le poko ya Zorobabel ne contient fondement. Les mains de Zorobabel vont fonder cette maison. Quand le poko na ende aussi ils alliance. Et c'est toujours ces mains qui achèveront. Verset 9. Le verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ma poko ya Zorobabel ne tient mon poko ya d'accord. Et ses mains achèveront. Mais ma poko na ende aussi ils alliance. Donc on va le temps où on a maison. Et depuis le fondement de la maison. Jusqu'à son achèvement. C'est toujours Zorobabel. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Mais toi, il va être dit, ah oui, la Bible, tu n'y vas pas. Donc, tant que nous avons besoin de Zorobabel, alors, lorsque le Seigneur parle au sujet de Zorobabel ici, à Talisa qui n'a nous Zacharie, il avait d'abord montré au prophète Zacharie un chandelier. Et Pédélomine n'a pas encore. Tant qu'à Talisa, un chandelier. Lorsqu'il lui a montré le chandelier, à la taille, que chandelier ça s'est monté de base. Mais à taille ici, Pélomine a dit qu'on a un mec qui a ma foutu des arrêts. Et aussi, c'est vrai qu'il a sept conduites. Pé, Mathieu, comme ma foutu à l'épélomine. En réalité, n'a pas seul à ma foutu des arrêts dans la base. Donc lui, il provenait du réservoir qui était le vase. Ils ont communiqué le chandelier. Pour communiquer l'huile dans le chandelier. Ensuite, à continuer. Alors, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Yo, ça dit, n'a ni gomba, on est de l'Igosa Zorobabel. Alors, qui sera à Pani? Yo, Colombo, on a le petit calamabé. Grande montagne, on est à roi de Perse. Gomba, on est de l'Igosa Zorobabel. Parce que tant que Babylone est en captivité, lorsqu'ils étaient sortis de la captivité, à Outi Babylone, en provenance de Babylone, ma belle est à qui dirigeait la. Médès la Perse. Et toute la terre était dirigée par l'empire Médo-Perse. Mais dans Daniel 8, mais dans Daniel chapitre 8,
Bazo présenter le royaume ya Médo-Perse. On présente l'empire ou le royaume Médo-Perse. Nyama moko aza na maseke mibale. Un animal qui a deux cornes. Mais le seke moko eza ya mulai kolera seke mosusu. Mais l'une des cornes n'était plus haute que l'autre. Donc le seke eza kolera wana. La corne qui était la plus haute, eza la qui Perse. Et c'était la dynastie des Perses. Mais où est-ce qu'il m'a poussé? Mais la corne qui était courte, et là qui Mendes. Ah, c'était le roi de Mende. On t'a dit dans verset 20. Le verset 20. Il y a Daniel 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Les bénis que tu as vu. Mende à mon bâtiment. Et qui avait des cornes. Mais ce sont les rois de Mendes et de Perse. Ils ont dit, il y a même des pères dans la Perse. Ma corne, mon âme, bien. Dans les cornes du Mende, c'est la Perse. C'était le roi de Mende. Si on continue, on va nous tendre au moment que les cornes nous faisaient qui nous laïcent. En continuant la lecture, tu verras qu'une des cornes était plus haute que l'autre. Moi, les alaïques Perse. Et la corne la plus haute, c'était le roi de Mende. Merci à vous pour l'année. Pourquoi j'ai pris cela? Pour prophétie dans Zacharie 4. Parce que la prophétie de Zacharie 4. Et le dit qui est une grande montagne. Yosalina Lingomba à Monet. Donc il y a la montagne, tu es en assez, où est-ce grande. Donc il y a d'autres montagnes au-dessus de celle qui est grande. Et à mon ami qui est grande montagne, c'est là qui Perse. C'est pourquoi j'ai dit cette grande montagne, c'était le roi de Perse. À mon ami, pas à quoi ça. Israël a tournanda kwanza bete. C'était eux qui s'opposaient à l'Israël afin qu'ils ne rebâtissent pas la maison de Dieu. Pour Tangayambo et pour les lits, il faut voir Esdras. Tu vas prendre Esdras à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 4. Et c'est ce que l'ennemi a ça. Et c'est ce que fait l'ennemi. Alukakabosa la alliance na bango. Il cherche que vous fassiez des alliances avec les étrangers. Soko dosa la musa la zame. L'œuvre de Dieu. Azon va vous faire un compromis. Il cherche que vous fassiez des compromis dans l'œuvre. N'ayez pas tout ça, ça va compromis dans ma somme. Comme les autres font des compromis avec le péché. Libre par exemple, il va nous tenir ici. Il ne met pas la parole à sa place. Mais pas zoyo, quand on a qu'à ta combombe à ma dissous. Mais ils s'entendent pour se cacher les péchés les uns les autres. Par exemple, il va condamner les péchés. Les enfants de Dieu condamneront toujours le péché. Tant ou baïou d'Abazon qui n'a terre. Lorsque les Juifs sont retournés dans leur pays, Bible le dit dans Esdras 4. La Bible dit dans Esdras 4. À partir du verset 1er. Au verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Les ennemis des Juda. Abouda et Aïm. Et les Benjamin. Père et Benjamin. Apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel. Temple de Zorobabel dans un autre monde. C'est temple de cité Zorobabel qui est rebaptisé. Les dieux d'Israël. Zambé à Israël. Il vint auprès de Zorobabel. Il y a qui est pas, il y a Zorobabel. Voilà le verset deuxième. Esdras 4. Et les chefs de famille. Il y a pas continuant sur la main. Et leur dit. Mais pas Ebisma. Nous bâtirons avec vous. Donc, tu n'as qu'à la vie, nous, et nous. Car, comme vous, oui, t'es le coup, la bino. Nous serons votre Dieu. Nous allons peut-être couper les lanzapés dans la bino. Ah. Les alliances ont commencé il y a longtemps. Voilà ma bataille. Là, les païens. Et nous lui offrons des sacrifices. Depuis, nous allons depuis le temps de Saladon. Où t'attends, il y a mon compte. Qui nous a fait monter ici. Oh, il y a même un bison là aussi. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël les répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Les dieux d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Ils avaient conservé leur race. Ils avaient refusé le mélange. Ils avaient refusé de se mélanger avec ceux qui étaient sans promesse. Il y a un moment où nous avons continué à susciter des problèmes maintenant le voilà Babo et là qui va. C'est pourquoi ils avaient suscité des problèmes contre les Juifs qui rebâtissaient les temples.
a créé ma problème. Ils ont créé des problèmes contre les Juifs. Pour influencer ma roi. Afin d'influencer le roi des nations. Que la maison de Dieu tombe à ma tête. Et que la maison de Dieu ne soit pas. Et le Seigneur, il t'a envoyé ce qui s'accalait à moi. Et c'est ce que le Seigneur avait parlé par Zacharie. À son moment. Qui est-il grand montagne? Yo, ça dit pas du gouvernement. Yo, roi, si. Il y a Perse aux Zacharie. Qui es-tu, roi de Perse? Pour ça, on programme pour un terrain pour une construction, les enfants. Afin de concevoir le programme pour un terrain. Qui est-il? Vous allez là. Le Seigneur lui que tu seras plané. Yo, qu'on le voit ici quand on vous dit que la délaisse. Tout le monde soit doté de la lèvre de Dieu. Tout celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. À plané. Sera à plané. Non pas par la force de l'homme. Namaka, ça va doté. Mais par l'esprit de Dieu. C'est la colline où il y a des armées au centre. Parce que. Parce que les chandeliers, les pérouines, les alaki, influencés par l'huile, les alaki, qu'on soit ma foute à côté d'un mec à ma foute. Ah, parce que l'huile, on en est comme l'esprit. Oui, que ma foute, on en est mon lit, mon sang qui court à la mec à ma foute. Oui, ils ont ça dans mon salon, à la Josué qui est chandelier. Et qui travaille dans Josué qui est le chandelier. Josué, ça est le moyen éternel, le véritable chandelier. Yo, Josué, le moyen tapé, pelo, oui, de la sol. Que Dieu bénisse. Ah. Et donc, on remarque que. Et tu vas remarquer, bien aimé. Le ligne est mon corps à haut. De la même manière ici. Le corps là, Zorobabel n'a pas dit tout ça. Donc, c'est Zorobabel qui avait fondé la maison. À Okoma, on s'en a su. Et c'est lui-même qui va l'achever aussi. De la même manière, le lègue moko, le lègue a travaillé qui voulait. Comment est-ce qu'il a travaillé? Dans un croire que le véritable Zorobabel qui est Jésus-Christ. Les autres disent que Zorobabel y a seul les amis Jésus-Christ. Il est peiné le mikes. C'est la Paul. Et c'est lui qui a dit par les canaux. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6. C'est lui qui a commencé l'œuvre en vous. Oyabani Moussala Malam Kati Nabino. La rendra parfaite. A Koko Misako Naboko Kiber. Lui qui a commencé l'œuvre. Et c'est lui-même qui va l'achever, la rendre parfaite. Oyo Tonzo insiste. Nous insistons seulement. Bona, ma doctrine, Oyo, et comprenons pour ça la lecture, ya Makamata Mete. Pour des doctrines qui n'arrivent pas à faire la lecture des choses de Dieu. Tout celui que le Seigneur utilise dans l'œuvre. Alors, dans la Ligue 17, verset 10 à 11, Amibé, la serviteur inutile. Le Seigneur avait dit que cet homme puisse s'appeler lui-même serviteur inutile. Au Salikaka, Oyo et Dinama qui pouille au Sala. Il n'a fait que ce qui t'avait été recommandé de faire. Ma Paul, ma Koufa, les Paul, ma Jean, ma Koufa, les apôtres sont morts. Même ça, les amis se continuent. Mais l'œuvre de Dieu continue toujours. Ils sont bien ceux qui courent ailleurs et l'autre est encore égaré. Ils sont aussi si le Seigneur ne revient, nous allons aussi passer. Et Paul a son roi. Et Paul dit si je suis lié, ils sont qui n'a pas un ami. L'évangile n'est pas lié. Ça pourra l'homme, ça n'a pas signaté à l'île. L'évangile n'est pas lié. Parce qu'il y a une doctrine. Oui, que ça n'a pas la qu'ici. Les autres sont pas amis, comme un historien. Ils prennent que les histoires des historiens. Autant où il y a Dioclétien. Ou les temps de l'empereur romain. Chrétien, lorsqu'il y avait des persécutions des et qu'on était en train d'enchaîner la parole et qu'on a emprisonné ces emprisonné chrétien, l'évangile l'évangile aussi avait disparu. Non, frère. Oui, tu pourrais tuer un prédicateur. Mais tu n'as pas tué la parole de Dieu. Il est allé se reposer. Bon, avant pour le moment, il faut s'amener un peu sa permission. Et même avant de le tuer, Dieu doit le permettre. Que tango est coquille. Que son temps est arrivé. Ce qui tango est coquille, t'a beaucoup fatigué. Si son temps n'est pas encore arrivé, il pour accomplir la mission, t'es dans ce canal. Afin qu'il accomplisse la mission jusqu'à la fin. Donc, c'est que l'évangile est tango là. C'est-à-dire, l'évangile marche où c'est le bon. Et c'est pourquoi dans l'ombre. Nous voyons comme Zorobabel. C'est lui qui fait toute cette œuvre. Maintenant, le verset 10 de Zacharie 4. Au verset 10 de Zacharie 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Car
ceux qui méprisaient les jours de faible commencement. Zacharie 4, 10. Se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel. Qui parcourt toute la terre. Ces sept là, ils sont toujours dans la carte de Zorobabel. Qui Dieu bénisse. Amen. Ah, ils ont la carte de Zorobabel, les sept lampes là. Donc elle se trouve toujours dans Zorobabel. Parce que le véritable Zorobabel, c'est l'agneau de Dieu. Et que Zorobabel a seulement la partie en Zambèle. C'est Christ Jésus. Ils ont dit Christ Jésus. Il a travaillé la carte de la sang. Et c'est lui qui travaille au milieu de sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a l'église locale. Les amis, l'église, il y a encore les tournées à Paris. Oui, les gens ont la parole. Qui suit la parole. Ce qui me dit, et l'église, ce qu'on recevra, parole d'elle. Et si l'église locale refuse de recevoir la parole d'elle. Donc, et pour y la repentance. Et que l'église repousse la repentance. Et comme il commande à le péché, mettez-le comme vous, qui tombe. Et l'église commence à crier le péché. Qu'est-ce que le Seigneur a pour ça? Ça me dit à quoi ça la vie. Je parle d'une église locale. Le Seigneur retirera son chandelier. Il y a moi aussi. C'est pourquoi il dit aussi. Si là où vous allez, encore ne vous reçoit pas, vous allez secouer la prochaine. Et vous allez dans un autre endroit. En réalité, les vrais chandeliers, ils se trouvent dans les serviteurs ministres. Parce que la parole, quand ils ont parcouru toute la terre, ils ont parcouru toute la terre, la carte à ma tête. La parole parcourt la terre dans les serviteurs ministres de Dieu. Il y a beaucoup de remarqués qui tapent ma pierre dans la vie sur la montagne. C'est pourquoi lorsque les apôtres, les disciples étaient sur la montagne, ils ont entendu la voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez le fils. Maintenant, Pierre a rapporté l'émission. Maintenant, écoute, lorsque Pierre nous rapporte ce dans 2 Pierre 1, dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 16. À partir du verset 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Nathan qui a compris Jésus-Christ. Depuis le à partir du verset 16 et la 19 même. Ce n'est pas en effet. Les alités dans mon sol. En suivant des fables habilement conçues. Na kuranda kama sapo salami penza na nolidi amala kwepa ya bato. Oh, comment t'as besoin de quoi? Voyez ce qu'on dit. Fable habilement conçue. Ma sapo bato ma salia mo na nolidi mo ko penza ya kolonga bato. T'as l'imité. Tu regardes. C'est ça comme fable. Donc c'est une fable. Mais pas ton bien ou bien. Mais ça habilement conçue. Et ça n'est une vérité. Donc c'est comme la vérité. Que nous vous annonçons, nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien avant de sa doctrine, nous sommes dans le ciel et dans la maman. Et Pierre parlait d'autres, des autres doctrines qui sont dans leur temps. Mais ça va faire. Donc, ils arrivent à ma sapo. Mais bah, ton diable. Mais on les a habilement conçus. On peut sentir l'étiquet. C'est la vérité. Et c'est vraiment la vérité. Ça fable. Car ces animaux s'envolent. S'envoler. Fable vraiment. Donc vraiment des fables. Mais dès qu'il va tomber à mon idée. Mais comme on les a conçus, on sentit que non. Les a vérité. Tu sentiras vraiment que c'est la vérité. Non. Fais attention. Que ma mine, c'est la fable. Les a massables. Ma femme les a libérés. Il y a beaucoup de femmes. T'as vu 318 à ma plus entre 318 avec de plus entre les chiffres. 3, 1, 8. 3 plus 1. 3 plus 1. 4 plus 8. 4 plus 12. Mais ensuite 12 formes. 3 12 non. Yon principe, ça c'est comme on dit 2 chiffres. Voilà ton principe, on voit 2 chiffres. On tient 6. Tu dois
prise. Ajoute encore un prise de. C'est ça que c'est comme c'est le principe de ta prédication. Vous en avez. C'est ça les femmes. Et ça n'est pas ma sapo. Maintenant, on va voir, 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 moi, je dis toi, tu me plus, on va voir, 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 nous n'aurons pas l'unité de la foi. On tient plus. Tu tiens plus foi. Moi aussi, je mets les signes de la multiplication. Maintenant, celui au pays, c'est dans la terre. Là, si tu me tiens la même chose, on tient plus. Moi, je te dis, ne mets pas la monnaie. Laissons seulement sa terre que ça aide. Amen. Parce que nous avons besoin de nous. Et là, on se voit l'unité. Et lui, quand on a dit que côté, il y a ma communion, c'est aussi qu'il y a un aïeau. Cela ne veut pas dire que tu vas épuiser tout la réponse. On a dit dans la terre, dans la terre. La terre que je prêche. La terre, c'est vraiment limite, il y a grâce aux femmes à prêcher. Je prêche selon les limites de la grâce que tu m'as assis. La bossée s'applique une terre. Je ne veux pas épuiser toute la révélation de la Bible. On en a, on en suit. La portion que j'ai. Est-ce que ça? Et c'est cela. La journée, elle m'a soigneusement. Et j'aimerais que ça se passe avec propriété. Portion, la terre. La ma portion. Si j'ignore une chose, je vais la laisser là. Les jours, il y a mis ça là, les célibataires. Les jours de service ne sont pas encore à leur fin. C'est très important, et au moins. Et ça dit, mon Dieu, à ma case. Et là, on a des gens qui ont compris, on a monté à l'homicide de la femme. Et si un serviteur ne comprend pas ça, il va inventer ses femmes. Tout à l'heure, on a monté, ils m'ont pas expliqué, ma longueur, il y a. Il y a ceux qui attendent plus. J'avais croisé un serviteur qui est sur qui n'a pas par raison, ma carte. Beaucoup de raisons. Sauf que tout n'est pas la Kinya. Si tu lui poses la question, ton Dieu, il s'en a nous à nous se dire. Dis-moi, nous sommes que nous. Est-ce que les âmes est-ce que c'est seulement Dieu qui t'a révélé ces choses? Ton ami, la Kinya, tranquillement, calmement. Au moins, il y a conscience de votre travail. Mais là, qu'est-ce que ça? Conscience va travailler. Ça va être raisonnement. C'est une sorte que c'est propre raisonnement. C'est qu'on doit éviter la carte évangile. Le Seigneur est au bout de la salle. Éviter ma fable. Où y a ma sapoie, ma habile, ma cause. Où y a ma tu vas salir à mon pétard, ma lame. La carte, il y a un on ne prêche pas la puissance de Christ. La carte, tu vas nous aller à mourir à Christ au terre. C'est ce que Pierre a dit. Et c'est ce qu'il nous dit Pierre. Mais c'est comme ayant vu sa majesté. Ils ont dit au corps, comment on a mon compte non, c'est merveilleux. Ils ont dit de nos propres yeux. La mise sur la mise au monde. Il y a un verset 17. Le verset 17. Car il a le signe de Dieu le Père. Oui, qui a su où dans la tzapéta. Honneur et gloire. Le coup, mon père. Quand la gloire magnifique lui fit entendre. La moquée, moi, qui toque, qui s'en maquille. Une voix qui disait. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix. Venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la montagne. À cette montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certain. La parole prophétique, l'inomé sapoué. Oh, ben, c'est qui? Écoutez-les! Oh, yunkai! C'était une parole prophétique, les amis, l'inomé sapoué. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Oh, yunkai, ça, l'inomé sapoué, la malade, comme une lampe. Le corps à mouina. Voilà. Cette parole prophétique, c'était une lampe. L'inomé à Paul, l'inomé sapoué, c'est un chapitre. Les amis, le bénouina. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Les amis, donc lampe au combat dans la lèvre à pierre. Et cette lampe depuis le temps des apôtres. Elles ont prié. Brillez toujours. Et vous priez jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. Mais on t'a voulu que ton mot de mon colo et y a. Et les colo peut-être qu'il n'a pas encore vérité pour vous disait. Ne pas mettre à un certain moment la vérité. Comment les mamans qui ont. Depuis que cela avait commencé. Cette lampe là. Oui, d'awa. Il y a mon aide même comme cette lampe. Il y a mon aide. La lampe sambo. Sans possède. Donc il y a mon Jésus-Christ. Lui-même Jésus-Christ. Et ça, le Jésus.
Dieu. C'est comme Jésus est l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu a sept cornes. Qui sont les sept rangs? Les sept esprits de Dieu. Ils amènent l'agneau de Dieu. Et tout cela se retrouve dans l'agneau. C'est l'agneau de Dieu. Il y a un gars qui s'est manifesté en sept. Et celui qui se manifeste en sept, Massambo. Lui-même. Et c'est pourquoi Pierre dans la zone de c'est pourquoi Pierre en prêchant. Cette parole prophétique. Il nous parle à Paul et oh, ça. La lampe. Qui a qui est comme la lampe. Et Kota pour la tombe et Kota. Va marcher jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Quel que soit le problème, et ça la vérité. La vérité ne disparaît jamais. Parce que selon notre personne, oui, tu connais ça, la tomisus, bataille, ça a guéri, non, la vérité, ça a guéri. Il montre qu'à un certain moment, une époque, la vérité n'était plus. Bazo soit dans ma casse, l'angide. Il se dispute avec l'apôtre pour les frères Jude. Jude dit la foi a été transmise une seule fois pour tout. Qu'on dit, mais peut-être que la personne, tu vois, comme malamour, qu'on a dit ceci. Donc, et vous savez que l'on dit, mais y'a qu'à. Mais la foi était venue. Après. Et puis la foi a disparu. Après, ma coupe, ça, après quelqu'un viendra de l'Amérique donner la foi. Ah. Et puis ça n'a une seule fois. La foi n'a été donnée qu'une seule fois. Soit on a raison qu'elle est grandissante. Comme un arbre. Qu'on la calme, qu'on la tête. Et comme tout un problème à casse. La foi peut rencontrer des situations. On a une construction à Jérôme-Babel. Comme la construction de Jérôme-Babel. Et vous avez un problème. Celui qui porte la semence. Voilà,
Est-ce que ça dit pour ça là? Nathan lit psaume 126. J'ai lu psaume 126. Ma camou, il faut comprendre. Ces choses, tu dois les comprendre. Ma pierre, ma moukate, ma mibenga, yé ange, yé boué. Les apôtres n'avaient pas cherché à s'appeler des anges. Kaka batoba, 20e siècle, n'est pas un peu ça va tout passer. C'est non les prédicateurs du 21e siècle qui nous font mal à la tête. Verset 5. Ceux qui servent avec l'art. On a une portion de souffrance. Oui, cette portion, c'est ça, de souffrance. Moisson avec chant d'allégresse. Moisson, les autres, ça comme l'enlèvement, récompense. Mais qu'on s'aimait, c'est s'aimer avec l'art. Parce que l'on a ça la macana pour les lames. Ce que le Seigneur a fait avec le ministère de la parole. Et ça dit qu'on s'en passe à l'école, ça n'a pas tout le monde. Jésus a fait la carte dans la parole. Jésus est en eux. Là où lui devait passer, moi qui est Seigneur qui est à l'état. Il utilise ses disciples. Azo sale la baie colina. Parce qu'elle lui dit, parce qu'il dit, oh ya koya maman qu'on a mis nous. C'est lui qui recevra l'un de nous. Mais reçoit. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La signe est allée pour l'État. La foi, la parole. C'est là qu'ils vont refuser ou repousser la foi. Le Seigneur a besoin de son chandelier. Ça vient à quoi que l'on a été le bruit dans les Akénabo. Mais l'église d'Éphèse. Parce que l'église d'Éphèse. Sauf dans les livres aux Éphésiens. En lisant l'épître de Paul aux Éphésiens. Ce sont des gens qui ont présenté que. Zambé a préparé des bonnes œuvres pour Nabango avant la fondation du monde. Et Zali Batou a sauté à l'Israël, Babo, mais là, Babo, Misala, Bala, où il y a un peu de Sali. Mais si vous continuez le livre, mais à continuer la lecture, Babo est exhorté aussi, Babo, dans la Moussous. On les exhorte encore dans d'autres. Parce que sur la terre, il y a toujours des problèmes. Oui, tu n'as pas bien, mais quand vous avez la terre, Babo, ça va aussi n'attrister pas le Saint-Esprit. Oui, qui s'attire pour lui, mon sang, toi, Zambé, Mama, 4. Babo, il s'en va voir. Qu'on n'entende pas au milieu de vous ma propos insensé. On disait ça aux Éphésiens. On s'adresse aux frères de fait. Mais ce sont des prédestinés. Les animateurs, on dit ça pour la lobby. Ceux qui ont besoin d'exhortation, s'ils ressortent, à vos hommes dans la bonne position, ils vont se répentir. Enfant de Dieu, Zaléma. C'est comme ça qu'est l'enfant de Dieu. Mais là où la repentance n'est pas, mais là où il n'y a pas de repentance, le Seigneur parle avec son chant. Tant que nous de la chandelier, lorsque nous parlons du chandelier, nous voyons comment est-ce qu'il travaille dans ses serviteurs. Et lui-même il travaille. Mais son qui bisika au babo il parole. Mais là où les gens refusent ou repoussent la parole, à retirer babo. Il va venir retirer son chandelier. Vous en avez marre? Parce que ceux qui veulent vivre pieusement Christ seront persécutés. Mais le Seigneur a fait ça. Instruction, on va dire persécution. Mais le Seigneur a donné l'instruction à ceux qui concernent. Si on vous persécute dans cette ville, ce qui va bien pour lui, va pour lui, le Gumbao. Fuyez d'avant. Pour qui va le Gumbao sous. Mais ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aye ba liko ba ngatsame ya katsa Kristo ba konyo kwa makasi. Zoko bana mo bien. Donc quand la parole est annoncée, lorsque la parole est annoncée, la vraie église est garder position à parole. Église a solo combattre la lino ngatsame. Il y a des ensembles de saints. Ils arrivent à la synagogue sur la sainte. Oui, et comment déjà synagogue de Satan. Qui sont déjà devenus la synagogue de Satan. Les ensembles de saints. Les ensembles qui ne sont plus les donc ensembles. Donc le péché est autorisé. Ma soeur, ça n'a pas été mis au sortant de la parole. Vous avez vu l'église, mon bon. J'avais écouté en tant que. Le Seigneur n'est pas à la même position. Il fallait qu'on puisse consacrer les gens. Il faut y en entendre. Il faut apporter un bouc. Maintenant. Maintenant, un des disciples avait manqué à trouver Monté. Il est allé trouver le ministre de la parole. Monté, et le ministre lui a dit, mais pour se bosser demain, pour être consacré, il n'y a qu'une seule condition. Apporte-moi. Je n'en ai pas. On pourra avoir une autre solution. Voilà, ministre. Là, un ministre de la parole. Il y
y a une autre alternative. Disciple a une solution. Les disciples ont dit quelle solution? On dit qu'il n'y en a pas. Voyez ta petite soeur là. Celle-là, moi, pour que je la connaisse. Et si la proposition que c'est fini, je vais te consacrer. Dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints. Tu te rends compte? Donc voilà, vous mettez ça. Synagogue des Satan. Et tout le monde à Satan. Synagogue des Satan. Et tout le à Satan. Donc la place à l'heure, voilà, les chandeliers n'est pas. Dans ce temps-là, quoi, il n'y a pas de chandeliers. C'était l'église de la Nagata Congo. C'est seulement une église ici en RDC. Toujours en RDC. Mais il n'y a plus église des saints. Parce que je m'adresse toujours aux églises des saints. Pour ton nom. Enfin que nous devenions meilleurs. Parce que vous avez le bien pour la tine à la moko ou la bien. Et si tu parles de toi-même, tu vas devenir parfait, meilleur. Et cela va beaucoup aider. Ça, c'est vraiment diable. Ils appellent Satan. Regarde la manière dont les gens travaillent. Remarque la manière dont les gens travaillent. Mais la vraie église. L'église est à son. Et qu'on veille dans l'huile. Va toujours veiller sur lui. Et qu'on veille dans l'enseignement. Va toujours veiller sur l'enseignement. Et qu'on garde la position de la parole. De pas te la donner à l'huile. Et qu'on dit que la vie est sanctification. On dit que la vie est à beaucoup de sa vie. Vie à crainte de Dieu. On est à combat dans sa main. C'est ça la vraie église. Il y a mon église à son. Et total, il s'est dit aussi. Et on avait aussi montré, bien-aimé, que fin à parcours n'a pas. La fin de notre parcours ou de notre marche, c'est la vie éternelle. Et ça dit pour nous, il y a secours. C'est ce que Père m'a dit dans Romains chapitre 6. Et c'est ce qu'on avait lu dans Romains chapitre 6. Le Nicolaïsme est au volume de la Romine, la conclusion, le dit par la grâce de Dieu. L'Éternel, Nicolas, on va plus en parler à la fin. Parce que ceux qui nous trouvent se répentir tel, ils n'ont pas si ma case. Parce que si tu ne te répands pas, c'est très malheureux. Totamaki Romains 6. On avait lu Romains chapitre 6. À partir du verset 21. À partir du verset 20. 19 verset 23. Jusqu'au verset 23. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Totamaki n'a pas mon esprit. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous allez qui va sommeil dans le temps libre et que venez en Zambé. Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. C'est la mort. Les amis l'ivoire. Donc des choses de la chair. Ma cambo te va poser un top. Fin d'un mot. Soukango, c'est la mort. Et ça dit koufa. Et la mort éternelle. Mais l'Iwa y a 5 ans, mais ça dit koloné. La mort pour toujours. L'Iwa y a libéla. Mais maintenant, Asisiko, étant franchi du péché, n'a pas la somme de vos services, et devenu esclave de Dieu. Et comment mon mou y a tamé? Bisous-nous. Ceux pour croire, il faut que nous soyons esclaves de Dieu. Nous tous en croyant, nous devons devenir esclaves de Dieu. C'est comme ça qu'il faut croire. Il y a beaucoup de Seigneur qui dit. Nous autres, on avait Esaïe au terre. Ton corps ne t'appartient plus. Esaïe a colloé ce Christ. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Au gros, on va t'entendre que Jésus s'en a l'amour comme nous autres en prostituée. Et tu ne peux pas livrer ton corps à la prostitution. La certaine, vous voyez, c'est qu'il y a une voilà que le pasteur a imposé. Lorsqu'on avait appris à sa petite soeur, elle s'était très fâchée. Ça, c'est vraiment jouer avec les choses de Dieu. Vraiment, tu es vraiment une soeur bien-aimée. Le royaume de Dieu. Tu veux vraiment garder le royaume du Seigneur. Ma frère, on va dire qu'il a dit si quoi tu as dit. Et même le frère, juste aujourd'hui, il n'est pas consacré. À toi, de côté. Il n'a jamais reçu la main des consécrations. Alors, je ne veux pas céder aux âmes. Ça, c'est vraiment des blagues. Mais à côté, il a mis la main dans la main. Il a un prédicateur. Il a l'air mignon, la paix, Tata. Il a mis la main. Tata.
pété. Vous avez la bambou, elle s'en est au sang. Et pour fin, la vie éternelle. Et vie éternelle. L'écriture continue. L'écriture continue en disant. Dans verset 23. Au verset 23. Car le salaire du péché. C'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les amis vont verser mon esprit sur ton habitation. Et qui dit les hommes, ils habitent de l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Et cette écriture nous convainc de l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Mais dans Genèse 2, et même dans Genèse 2, c'était des choses physiques. Et ça va qui va être pour le monde, on a fait aussi par ma maman. Mais qui parlait dans le niveau spirituel? Parce que le jardin était physique. C'est comme Jésus a dit le bénéfice dans Jean 15. C'est comme Jésus parle aussi de lui-même dans Jean 15. Je suis la vie. Dans sa vie. Mon père était venu. Il a reçu le nom de la chose qui est physique. Mais la vigne aussi existe naturellement. C'est comme il dit. Je suis la porte. Dans sa vie, écoutez. Il y a des portes qui existent. Mais il y a la porte appelée l'homme. Toujours normalement. Nous faisons bien comprendre. Parce que Romain 1 dit ceci, la divinité de Dieu. On s'appelle et on s'appelle. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. C'est voie à l'aide. Quand on les considère depuis la création. Ce qui nous a dit total à mon coquinage. Si tu observes la création, il y a la divinité. Ils ont dit la montagne. Mais création est physique. Mais la création est physique. Mais ils ont fait manifester la divinité de Dieu. Mais cela manifeste la divinité de Dieu. On t'a dit création. Tu observes la création. Je vois les lions. À ce moment-là, c'est une puissance. Ils ont dit bouillir assez. Quand on voit dans la création, même quand on voit l'océan, et lorsque nous observons les océans, tu vois la grande mer, nous avons la grande puissance de Dieu, nous avons un bouillon de l'entendre. La divinité, c'est quoi l'ennemi? Nous sommes tous les amis sur un bateau. Mais la création existe. Parce que qui les aime, ça parle de la divinité. De la, la création parle de sa perfection. La création parle de sa puissance. Et l'incorporé est arbre de vie. Cela ne veut pas dire que l'arbre de vie. Dans le jardin d'Eden. Dans le jardin. Les arabes vous demandent Jésus. C'était un homme appelé Jésus. Non. Les arabes vous créatif. C'était vraiment une créature. Mais ça parle. Parce que c'est qui colombe. De sa puissance. Et sa divinité. Et ses perfections. C'est comme on a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, que l'arbre du bien et du mal. Beaucoup confondent. L'arbre de la connaissance. Il y a bien. L'arbre qui sert à discerner. C'est un signe. C'était un arbre. Mais pour connaître ça, Dieu a parlé de plusieurs manières dans la Bible. Ça veut dire que la parole est belle dans la Bible. Et de plusieurs reprises. Parce que si on a dit mouvement et arbre, on a conscience divine. Parce qu'en observant ce mouvement de l'arbre de la connaissance, cet arbre-là, c'est un pédagogue. Donc, tant vous allez, lorsqu'ils ont mangé de son fruit, les seigneurs dit, ce qui caca, ton tiki arbre de vie des
vivant. Si nous laissons l'arbre, il vit tel qu'il est. On va marcher dans l'arbre, parce que l'arbre, ça sert à connaître. Donc, et puis ça va mouiller. Ils seront tenus ici dans le jardin. Oui, c'est bien. Ce qui est bien. L'herbe de vie. C'est l'arbre de vie. À pêcholi. Tout le temps qu'il a été là. En tout cas, maintenant, ça veut dire l'arbre de vie. Il mangeait l'arbre de vie. Adam avait jamais mangé l'arbre de vie dans le jardin. Je crois qu'il a dit l'arbre de vie, s'il l'avait mangé, il n'aurait pas entré dans la mort. C'est extrêmement que tu as mis déjà Saint-Esprit. C'est extrêmement quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Alors, mais toi, nous sommes. Je n'ai pas dit d'aller pécher. Attends, souriez. Même si le péché vient, Saint-Esprit a remis ma tête. Et Saint-Esprit ne te quittera jamais. Amen. Voilà. À cause de la tristesse. Saint-Esprit, donc, à Mawani, quatre à mon doigt. Et mon prochain, vous êtes dans cette suite, tu dois te repentir et ne pas revenir à mal. Ah, c'est là, vous verrez que tu as le Saint-Esprit, bon, la beauté, ma cause, on a ma bête. Oh, on s'est renoncé à ma bête. On dit qu'à ma bête, on s'arrête tout ça. Mais Dieu, si nous avons, dans sa manière de faire, à l'olengue, il y a pour ça, la maca. L'olengue, au yoyo, à Pandaki, création visible. La manière dont il avait commencé la création. L'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Il m'a tapé côté pâté tel que la main. Aïe, Azonia. Il est venu nous parler de plusieurs manières. Parce qu'il répond de plusieurs manières. Et par Noé. Il vient chez Noé. Alors, dit la fin de toute chair et communion. Et puis, sous ta soulignant ce con. Il faut la détruire. Je dois détruire toute chose. Il y a eu la pensée à cause. Il avait la pensée de répandre la création. A ton issima, il m'a bêlé mon bim. Il a rempli les hommes sur toute la terre. Maintenant, les gens de Boudou Diakolo disent ceci. Soukoupe, moi, qui t'a la bakoto. Il y avait. Soukoupe. Il y avait une soukoupe qui était descendue comme. Et il avait. Qui était protégé, qui m'a bakoto. Qui avait protégé les mécons. Donc, le légué. Noah Sarakia. De la même manière, Noah avait construit une arche. Quand on a beaucoup de voir on voulait tomber qui n'a pas. Du côté des Nakos, des Mekong, il y avait aussi beaucoup de pluie là-bas. Il y a soukoupe Moïse. Il y avait aussi une navette qui était descendue de là. Et maintenant, Lima. Et il croit aussi à ça. Une foi démoniaque. On dit maman qu'il y a au Satan. Doctrine au Satan. Il a dit c'est à Satan. Et le Seigneur a dit que Maïe est tombé dans la main. Le Seigneur avait fait que les eaux remplissent la terre. L'arche est à la nicole. Et que l'arche soit au-dessus des eaux. Il a répété l'eau présente à début de la création. Il a répété ce qui était au début de la création. L'Esprit de Dieu au-dessus des eaux. Moli moi t'appelle Nicolas Baman. Ah ouais, appelle l'arche au-dessus des eaux. Et ici aussi ma soeur à Nicolas Baman. Maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'Azara qui voit. Le fait qu'il était là. Nathanius Azara qui n'a quatre arches. Et pendant tout le temps, il était dans l'arche. L'arbre nommé. C'était au Batapakum. Et Zakaka, Olivier. Et Zakaka, quand c'était là. Parce que tant que la colombe a quitté. Parce que lorsque la colombe. Première fois. Malaïmoso. A trouvé que si la voiture m'a volonté. Il n'avait pas trouvé où mettre son pied. Naïm, ça va bien que tant que la colombe a quitté. Colombe à Zakaka. Je vous dis que quand la colombe part, il y a aussi le mouvement du corps. Donc, tant que l'on a quel même des efforts, Corbeau passe dans la même course. Donc, le corbeau était aussi dans la même course, même bien sûr. Corbeau allait et revenait. Oui. T'es comme un combat, ça n'est qu'aucun la paix qu'au Zongaka. Jusqu'à ce que la terre ne commence qu'il sèche. Il n'a pas pour être ma mêlée, mais il s'agit de la suite. Aller et revenir et la Corbanine. Qu'aucun la paix qu'au Zongaka, qu'est-ce que cela veut dire? Et elle s'en a plus. Donc, on voulait. Parce que la pluie est yaka. Parce que la pluie vient, paix aura. Et elle retourne. Vous aurez un moment. Tu suis à ton c'est vrai, c'est ma sainte. Et ça dit ça. La parole de Dieu comme la pluie. Mais le matin, c'est et yaka. Elle vient. Il faut que sa mission de la voie retourne. Elle doit accomplir sa mission. C'est ça le mouvement des oiseaux. Il y a mon nez qu'on a l'air. Ce sont des pluies. Et ça dit, bah, voilà. On indique. Tu vois un oiseau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ayebi, qui est l'arbre nommé Moko Olivier. Nous étions Moko Bataka Kombo Oyla. Tango Abibi. Lorsque Mamele Kauki. Lorsque
sortir que la terre était devenue sèche. Aussi sala, il en a arbre, mon et que Noé sortit pour faire les travaux des champs. Et bon, des arbres nommés. Et cela devient deux arbres. Parmi toutes les arbres, c'est la terre. C'était mieux mais nous avons des arbres nommés dans ma terre. Olivier. C'était là. Après, vie. C'était la vie. Maintenant, Noé allait dans le monde de la vie. Maintenant, Noé a bu du fruit de la vie. A dit Kaliboulou. Et il s'est découvert au milieu de Satan. Et ça, bon. C'est comme ça, Dieu. Et ça, bon. Allez. Maintenant, il y a une liste en bas. Maintenant, écoute ce que dit le Seigneur. Kounata va pensa qui Adam Dilei. Là-bas, lorsqu'il avait donné la nourriture. Adam Dilei a péqué ça. Fruit à arbre à connaissance du bien et du mal. Il y avait interdit le fruit de la, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme ça va dire qu'on répétait. Et comme le Seigneur répétait. Alors la personne après si Noé n'y aura pas l'air. Et ici, les mêmes s'il donne la nourriture à Noé, il faut être interdiction. Il doit mettre une interdiction. Dans la personne qui n'a pas fruit, n'a pas été, a été interdiction. Il avait aussi mis une interdiction lorsqu'il avait donné la nourriture. Fruit à arbre de connaissance divine. Ah, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance divine. Maintenant, il y a mon corps, le Seigneur, colo l'obané, ma soeur, sa vision. Non, écoute lui-même, le Seigneur, le maître de la parole. Le lègue de la paix, ça a fait atteindre l'autorité. De la même manière, il avait donné l'autorité. À Solomon, dans Genèse 9. Il dit ici dans à partir de ses premiers. Dieu bénit Noé. Zambé a pas mon lacano. Et ses fils. C'est la manière d'y va. Elle leur dit. Bien aimé, si va. Soyez fréquents. Multipliez-vous et remplissez la terre. C'est la même parole qu'il avait dit à Adam. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout l'animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se met sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Maintenant, après avoir coupé cette autorité. Après les avoir baissés du loup, on n'a pas de salaire. Il doit lui donner la nourriture comme il avait fait chez Dieu. Verset 3. Le verset 3. Genèse 3. D'abord, on va s'entendre, mais merci pour assez faire la paix sur toi. D'abord, je vais pouvoir s'attirer parce qu'il n'y a plus de méritate. Parce que nous n'avons rien. Les âmes, c'est sa miséricorde. D'abord, on va tout de suite se faire envahir par ma science au culte. Lorsque tu vois beaucoup envahir ma solo cabondo qui peut vous donner. Parce que la doctrine est assez bon. Parce que la doctrine de la sémence du serpent. Et que le serpent avait connu le corps. Et ça dit ma doctrine du premier siècle. C'est déjà des doctrines du premier siècle. Même Irénée de Lyon, t'as se proposer dans ma fausse doctrine. Même lorsqu'Irénée de Lyon s'opposait aux fausses doctrines, Irénée de Lyon, ça va dire Tamana. Il avait existé au premier siècle en ces temps. À ça, là, livre Naïe sur. Avec son livre, il y a ma hérésie. Contre les hérésies. Côté le Ménamalakissia. Côté la même à Google. Tu peux même le vérifier sur Google. Après ça, papier, on a ta relation dans un papier à moi. Je vérifie d'abord si j'ai ces papiers avec moi. Après ça, papier, on va coordonner à moi. Je vous avais donné les indications de recherche. Merci Seigneur. Donc, sur votre avis, au côté de la Bible, on écrit contre les hérésies. Entre sur Google, tu écris contre les hérésies. On écrit livre 1. Dans le livre 2. Chapitre 30. Le chapitre 30. Page 35. Dans la page 35. Paragraphe 7. Et paragraphe 7. Donc, livre 1. Donc, le livre premier de cet ouvrage. Chapitre 30. Chapitre 30. Page 35. À partir de la page 35. Paragraphe 7. Et paragraphe 7. On a parlé de la doctrine des zoophytes. Il parle de la doctrine des zoophytes. Et des septiers. Père Yabasétien. Livre de Irénée de Lyon. Et c'est l'ouvrage d'Irénée de Lyon. A existé dans le deuxième siècle. Et il a existé. Et là, il s'oppose à la doctrine des Ophites et des Septiens. Mamonde, déjà dans le premier siècle, les Ophites, parce qu'il y a une révélation que serpent et Vadin Zotraël. Et ce sont eux qui avaient reçu la révélation selon laquelle les serpents avaient connu le corps de la femme. Donc,
doctrines, même à septième aussi. Et même les septièmes aussi. Ils ont la même doctrine. Ils avaient aussi la même doctrine. Alors, par rapport aux dans le 19e siècle, dans le 20e siècle, ils ont la doctrine. Et tous ceux qui, sont, qui ont adhéré cette doctrine au 19e siècle, 20e, ils ont la paix, la doctrine, il y a serpent, il y a qui d'autre, elf, ils ont la sophite. Qu'ils sachent que les pères de cet enseignement sont des ophites et des septièmes. Non, bah, septièmes. Et les septièmes, ce sont les gens de cette doctrine. Irénée de Lyon. Irénée de Lyon. Azaraki, aussi serviteur de Dieu. Il était aussi serviteur. À s'opposant à la force doctrine Macas. Il s'était opposé aux hérésies de son temps. Bon, ma doctrine, nous sommes bâtis à un ange à la deuxième église. Et dans d'autres doctrines, on a placé l'ange de la deuxième église. Bisson à ma Jean, Jean et autres comme ma Bible. Les témoins fidèles. Quand Jésus n'a pas été. Mais Jean, nous parlons toujours dans cette église. Jésus a été monté avec les assemblées. Maintenant, je viens à verset 3. Maintenant, je rentre au verset 3 de Genèse. Il y a Genèse 9. Genèse 9. Donc, après qu'on paie ça, Noé voit. Après avoir donné le pouvoir à Noé. Amen. Tout ce qui se met et qui a vie. Vous servira de nourriture. Écoute ce que le Seigneur. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Vous voyez, comme j'avais donné l'herbe et la méchante. Le Seigneur me ce qu'il avait fait. Avec ce qu'il fait devant nous. Lorsqu'il avait donné la barre dans le jardin, après qu'il s'est fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait interdit à Adam de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on a dit que Homme dit que je te donne la viande comme je l'avais donné la barre. Après, il faut dire interdiction. Et même ici, il doit mettre une interdiction. Sachez-le aussi. Amen. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. Avec son sang. Vous suivez attentivement. Le sang. Makila. Na arbre. Oui. Dans l'arbre. Il a représenté vie. Donc c'est comme la vigne. Est-ce que vous avez nous allons continuer avec ce n'est pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est la vigne. Mais sache que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la vigne. Et l'arbre de vie est à la olivier. Mais c'était à mon bon et ça qui est là. Et ce qui maintenant, au tali à et si tu observes, au croyant pour comprendre très bien, tu vas comprendre très bien. En Israël, Naïsraël. Ceux qui ont consommé la chair et le sang, il faut couper. Ceux qui ont les sous-titres, qui est ce qu'il m'a boumaï. Ça méritait la mort. Et c'est pas qui est au couper. Mais il faut y évaluer. Mais tu dois savoir. Dans l'interdiction, il y a qui n'a l'air à Saoul. Lorsque l'interdiction était venue du temps, c'est qu'il appelle ça qui est interdiction. Et qu'il avait donné une interdiction. De mon côté, aller. Et que personne ne devait manger. Mais Jonathan et Salémi qui est allé miel. Et c'est vrai que son fils Jonathan mangeait le miel de la forêt. Tant où il y a à prendre. Lorsque Saoul l'a appris, alors vous t'allez, il a dit celui qui a mangé, il va mourir. Nous avons mouru. Maintenant, on va venir pour ça. Maintenant, on a commencé à chercher. Qui a fallu quoi quand même pas moi dans une femme mériter la mort. Et cela ne devait tomber que chez son propre fils qui devait mériter la mort. Parce que Adam a propre fils du père. Mais quand Adam a dit, moi, on a pété à tata. Dame est tombé, pas à Jonathan. Lorsque cela est tombé sur Jonathan, l'écriture des hommes n'ont pas. Saoul a l'homme qui mourut. Saoul avait dit ceci. Bon, comment qui le péché t'as la chair avec le sang. Vous roulez la pierre contre moi. Mais venez ici, la chair et le sang. Vous vous et vous ne mourrez point. Donc, ils ont dit la chair et le sang. Manger la journée, c'est la mort. Il y avait la chair et le sang qu'on mangeait la journée. Et qui avait pour mais chair et le sang manger après le coucher du soleil, c'est la vie. La chair va dire qui s'y m'a collé la mort et
ezali bomwe. Tozala na mala? Ah. Donc c'est que ton botani s'envoie bien bien par la grâce de Dieu. Et on va bien montrer cela par la grâce du Seigneur. Parce qu'il faut y avouer que, parce que tu dois savoir ceci, dans mon bâtiment interdiction, lorsqu'on a pardonné l'interdiction, il y a sang, du sang, Zambé a dit qu'on bâtit ça aussi, interdiction aux souches. Le Seigneur était venu ajouter une autre interdiction. Le lingue est mon dans le jardin d'Eden. De la même manière dans le jardin d'Eden. Et qui s'est dit dans l'arbre de vie. Il avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais après cela, il avait rajouté une autre interdiction. Arbre de vie. Les amis, vous m'avez été à bon. Vous en avez un? Le lingue est animal. De la même manière dans l'animal. Parce que le jardin d'Eden. Oui, tu l'avais dit. C'est Jésus-Christ. Les amis, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jean-Baptiste avait dit là. Comment est-ce que Jean-Baptiste là? L'agneau de Dieu. On n'a pas dit en faisant jardin. Il est le jardin. Quand tu as jardin, ma paix ici, arbre, la bonne sainte, il est le jardin. On a interdit l'arbre. Il est mon bon jardin. Et lui-même, il est le niaman. Et c'est lui-là. La date dernière, ma paix ici, le sang. Et dans l'animal, on a interdit le sang. C'est ça. Les amis abondés. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez à tout? Ok, il y a Lévitique 3, verset 17. Lévitique 3, le verset 17. On ressent des fortes pour comprendre. Tu ne feras aucun effort et tu le comprendras. Pour Esaïe. Parce que ces choses t'appartiennent. Mais tant que nous sommes dans la réalité, et lorsque nous arrivons dans la réalité des choses, nous sommes là, l'arbre appelé vigne comme la loi. Nous voyons la vigne comme la loi. La grande interdiction dans la loi, c'est le sang. Pourquoi? Vie est à il n'y avait point de vie dans la loi. Il n'y avait pas privé de ma vie. C'est pourquoi on leur avait privé la vie qui est le sang. Aujourd'hui, Lévitique 3, verset 17. Lévitique 3, le verset 17. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, dit mon père, libéré pour la quitter la vie. Dans tous les lieux où vous habiterez. Ici, dans bien sûr, beaucoup de d'accord. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Vous collez à côté ma foute et ni à ma tête ma kila. À partir de deuxième interdiction à côté ni à. Il a rajouté une deuxième interdiction. Vous voyez dans le champ. Vous voyez dans le champ. Ils allaient la première interdiction. Ils allaient qui n'a été qui s'est ah la connaissance du bien du mal. Là on est la connaissance du bien du mal. Et tant qu'on t'a collé. Et lorsque l'homme est tombé. Le Seigneur a ajouté interdiction. Vous avez pas qui s'est qui s'est. Empêchons les à toucher à vous de vider. Tout peut s'arrêter là bien si il va être la bombe. Il vient aussi en ce qui concerne la vie. A tiens l'interdiction. Il a établi la première leçon. Maquila. Après, alors par sa deuxième interdiction. Il est venu encore ajouter une deuxième interdiction. La graisse. Ma foute est rien. Or la graisse, na sacerdoce. Or la graisse dans le sacerdoce. Il y a un débat de la camoto na hôtel. Et c'est ce qui servait à conserver le feu. Dans un hôtel, où il y a combattu la mort dans la carte, il y a temple. C'est lui qui va conserver le feu dans le lieu saint. Les huiles d'olive. C'est l'huile d'olive dans les chandeliers. Vous savez, on graisse ça. Dans le rôle que fait la graisse au dehors, on est pris là ça. C'est ce que lui fait là-bas dedans. Exactement. C'est seulement la même chose. Dans l'animal, c'est la graisse. Mais dans l'arbre. Mais dans l'arbre, c'est l'huile. Les animaux foutent et olive. Ce sont ces deux interdictions-là. Les amis, ils peuvent qui seront l'animal. Vous en avez là. Vous suivez attentivement. Maintenant, on l'explique maintenant. Dans votre amis, ça va. Là, par connaissance, il vient de parler de la loi. C'est que Abou Imabé, Madame Colombia, mon père qu'on a posé. Mais l'arbre de vie parlait de la grâce. C'était Abou Moïngolou et Jésus-Christ. Mais là-bas, ils arrivent d'abord à arbre. Mais là-bas, c'était des arbres naturels. C'est comme Nathan et Jacob. Lorsqu'il était chez là-bas, nous avons un accord de la troupeau et à là-bas, paix à Jacob. Le Seigneur voulait ravir le troupeau de là-bas et les donner à Jacob. Lorsqu'ils se sont convaincus, que Oezali n'a pas été à Jacob. Ce qui sortira de là-bas, c'est pour là-bas. L'ange allait dans le tout. L'ange est venu la nuit. À le besoin, c'était qu'à toi même la pépite. Il a dit prends l'arbre, le bois du peuple. Amandi. L'amandier. Na plata. Et le plata. Tiens-moi la main. Il faut le mettre dans l'eau, dans les auges. Tangou. Bah, miam, bah, en chaleur, bah, lorsque les brebis vont le boire, bah,
Ils vont mettre pas des rayés. C'était pas une arbre. Comme il y a ces arbres-là dans les troupeaux vont mettre pas des rayés. Jusqu'aujourd'hui, il existe ces arbres-là. Mais aujourd'hui, je peux prendre ces arbres-là. Il y a aussi de l'eau.
Alors, on va voir si mon maître va pas détacher de rire. Mais il dit ça. Mais il y a l'écriture. Et puis c'est qui t'a acheté. Ce qui est fait, c'est un motel. Si ça ne mais moi, on va dire ça n'a qu'un arbre. On a dit que ce n'était pas cet arbre. Non, tu ne comprends pas les mouvements de Dieu. Voilà les arbres vraiment. C'est vraiment des arbres naturels. Mais avec l'ordre de Dieu. C'est un arbre. C'est un arbre. Mais le Seigneur avait quelque chose à Colombie là. Mais le Seigneur avait quelque chose à dire dans toutes ces choses. Les loyaux, aujourd'hui, nous sommes dans l'interprétation. Nous les voyons dans l'interprétation. L'arbre qui est, oui, c'est qui vigne pour nous. C'est Dieu, c'est là qui vigne. Dans l'air, il y a Noé. Ils ont présenté comme les sang dans l'animal. Du temps de Noé, c'est comme les sang dans l'animal. Et dans la réalité, c'est ce que nous voyons, la loi. Dans la loi, il y avait une grande interdiction, c'est le sang. Parce que la loi était ombre. Et ça, vous connaissez l'Ignan. Et ici n'a pas de sang, vous me voyez? Ombre n'a pas de sang. Mon ombre ici n'a pas de sang. Et ça, pas maquilla. Donc, ils ont la vie. Mon ombre n'a pas de vie, ils ont le corps. La vie, c'est dans le corps. Amen. Donc, c'est que, c'est-à-dire, la réalité, au sol, n'est toujours comme on a Moïse comme arbre connaissant qui vient du mal. Alors, Moïse, au corps, c'était à Moïse qui m'a bien amené. L'arbre de vie n'est toujours à Jésus-Christ, la réalité. Et Jésus-Christ, on a au sol, mais c'était des actes. Avec les pouvoirs de Dieu. Que la grâce du Seigneur est à Nicolas dans mon corps, dans mon corps. Mais la colère est à Nicolas dans mon corps. Ça me met à pour ma paix à ça, il y a un et le Seigneur là, il te fasse du bien. Comme le roi Foucault, il y a un mamzela qui tombe. Et le Seigneur t'ouvre les manches en main. Ça me met à l'eau qui sera dans ma vie compagnie ensemble. Et le Seigneur te fasse le cœur dans tous les combats. Vous allez fier à Jésus-Christ. Et sois fier de Jésus-Christ. Car il est né à Zali au bas de l'hyper où il a tout pesé l'homme. Parce que c'est lui le protecteur et lui qui te donne la victoire. Que Dieu te bénisse. Ça fait un peu.